Dans le cadre du salon de l'habitat, les instruments fonctionnant au solaire étaient omniprésents sur plusieurs stands. Tant il est facile de prêcher que le soleil offre ses rayons avec une gratuité totale, tout en permettant à tous de réduire le coût de la facture d'électricité. Le gaspillage d'énergie que l'on se permet grâce aux appareils solaires devient de plus en plus onéreux autrement, ce qui impose une absolue économie d'énergie dans le but de préserver aussi notre espace de vie qui est suffisamment pollué par toutes sortes de nuisances. Le chauffe-eau répond justement à une demande de la RTG, c'est-à-dire 50% de la production d'eau chaude doit être faite par du solaire. Pour savoir, le solaire et aussi le chauffe-eau solaire est aidé. Il y a l'aide d'EDF qui concerne, en fonction du litrage, il y a une prime. Et vous avez une aide qui est indirecte, qui est l'aide qu'on appelle le crédit d'impôt, qui est passé malheureusement de 50% à 32%, mais qui demeure. C'est quand même une aide non négligeable. Nous avons mis aussi en place, pour mieux vous conseiller, une brochure qui est sortie cette année sur comment utiliser un chauffe-eau solaire, quelles sont les économies que vous pouvez faire, notamment par exemple en vous raccordant votre lave-linge, lave-vaisselle, ça vous permet de ne pas utiliser l'électricité. Donc chauffer, laver le linge à l'eau chaude, déjà ça permet de défroisser le linge plus rapidement et de le décroisser aussi rapidement. Et vous n'avez pas à faire chauffer l'eau puisque vous avez à votre disposition l'eau chaude solaire. Donc c'est quand même un produit qui dure dans le temps. Si on fait un comparatif en termes de longévité du chauffe-eau solaire et du chauffe-eau électrique, un chauffe-eau électrique en moyenne c'est 6 ans, un chauffe-eau solaire faut compter en moyenne 20 ans. Le solaire occupe une place essentielle dans notre quotidien avec l'espoir de s'équiper d'appareils fonctionnant qu'avec l'énergie que distille le soleil. Mais cette chaleur dont on a tant besoin a des effets indésirables lorsque le manque d'isolation thermique de l'habitation altère le confort de vie. Il existe donc des procédés qui diminuent l'intensité de la chaleur dans une maison pour aider à économiser l'énergie utile aux appareils destinés à en rafraîchir la température. Ce sont des blocs en polystyrène expansé qui sont fabriqués à partir de microbilles pré-expansées avec de la vapeur d'eau et ensuite thermosoudées entre elles, toujours avec de la vapeur d'eau et de la chaleur. On en sort des grands blocs dans lesquels on découpe des plaques en dimension soit standard, soit dimension déterminée par le client et qui servent d'isolant thermique ou de support d'étanchéité. L'isolant thermique agit comme une barrière à la chaleur puisque la journée, toutes les tôles absorbent la chaleur. Les tôles les plus foncées, bien sûr, en emmagasinent plus que les tôles les plus claires. Et au cours de la journée, voire plus en début de soirée, la chaleur du moins est restituée dans la maison. Donc il se trouve que les habitants sont dans un inconfort par rapport à la température. Donc en mettant en place un isolant thermique sous toiture ou bien sous façade ou sur mur, on peut gagner environ 3 à 5 degrés de réduction de température. L'isolation thermique n'est pas contre le soleil parce qu'elle n'existerait pas sans l'astre solaire. Mais pour atténuer l'intensité de la chaleur qui s'installe à l'intérieur d'une habitation, il est nécessaire de faire barrière à la température en hausse afin d'économiser de l'énergie dans la phase de rafraîchissement.